La 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 la. La porte s'est ouverte, mon père Abraham est rentré, j'avais 38 ans. Il était si grand, j'étais si petit, ses yeux étaient brillants et sa voix était glaciale. Il a dit, je suis un prophète, à Ibrahim à se louer là, je dois fier la volonté de Dieu. Nous sommes arrivés sur le mont Moria, je courais et il marchait, et sa hache était faite en or. Les arbres, on ne les voyait plus, le ciel comme un miroir de femme, nous sommes arrêtés pour boire le vin. Mon père a jeté la bouteille qui s'est brisée plus tard, mon père m'a pris la main. C'est alors que j'ai vu un aigle, c'était peut-être un vautour, je n'ai jamais su décider. Mon père a construit le bûcher pour le sacrifice, il a regardé derrière son dos, il savait que je ne pouvais pas m'enfuir. Vous qui sacrifiez vos enfants pour les envoyer au djihad, vous ne devez plus jamais le faire. Les musulmans, les chrétiens, les hébreux sont les fils de notre père Abraham, il faut arrêter les massacres. Vous qui appelez au djihad avec vos couteaux sanguinolents, vous n'étiez pas là au commencement. Quand Ismaël ou Yitzhak étaient sur le mont Moria et qu'Ibrahim a décidé de sacrifier un bélier.